Les aflatoxines sont des poisons naturels produits par certains champignons produisant de la toxine qui contamine les cultures. Malheureusement, ces aflatoxines dangereuses sont invisibles à l'œil nu dans la nourriture, ce qui les rend difficiles à détecter. Quand elles sont ingérées par les personnes et les animaux dans des doses suffisantes dans la nourriture, les aflatoxines peuvent provoquer le cancer du foie, une immunité réduite et la mort si les doses de contamination sont élevées. Aflacev est un produit naturel qui réduit la contamination par les aflatoxines dans le maïs et l'arachide qui ne laisse pas de résidus sur la culture. Aflacev réduit les populations de champignons produisant les aflatoxines sur le terrain. Pour utiliser Aflacev, suivez les indications suivantes. Utilisez comme indiqué sur l'emballage. Suivez les pratiques agronomiques standards recommandées dans votre région. Avant d'épandre Aflacev, il faut finir les opérations culturales telles que l'épandage des engrais et le butage afin d'éviter de marcher sur le produit après application. Ne pas effectuer une opération qui affectera Aflacev sur le sol. Assurez-vous que Aflacev reste à la surface du sol. Mesurez la zone du champ sur lequel le produit sera appliqué. Pour le maïs, épandre Aflacev à la volée 2 à 3 semaines avant la floraison à la dose de 10 kg par hectare. Pour l'arachide, épandre Aflacev à la volée ou en bande latérale sur les lignes de semis 30 à 35 jours après le semis, soit environ 2 à 3 semaines avant la floraison, à la dose de 10 kg par hectare. Assurez-vous que Aflacev est uniformément dispersé sur le champ pendant l'application. Si possible, épandre Aflacev après la pluie lorsque le sol est humide. Ne vous souciez pas si les fourmis transportent les grains de Aflacev dans les fourmilières. Elles ramènent les grains à la surface du sol après 1 à 3 jours. Ceci n'affecte aucunement la qualité ou l'efficacité de Aflacev. Aflacev ne nuit pas aux poules, aux pintades, aux oiseaux ou aux animaux sauvages qui peuvent parfois ramasser les grains de Aflacev. Cela n'affecte pas l'efficacité de Aflacev si seulement quelques grains sont ramassés. Quelques jours après l'application de Aflacev, une coloration verdâtre devrait être visible sur certains ou tous les grains si le sol est assez humide. Finalement, pour obtenir le meilleur de Aflacev, suivre les bonnes pratiques post-récolte. Voici ce qu'il faut ou ne pas faire. Appliquer Aflacev en suivant les instructions du fabricant. Ne pas appliquer en mélange avec les engrais, insecticides et fongicides. Appliquer Aflacev uniquement lorsqu'il est possible d'éviter les zones potentiellement sensibles. Ces zones comprennent les zones résidentielles, les cours d'eau, les habitats connus des espèces menacées et les cultures non ciblées. Ne pas manger, boire, croquer la cola ou fumer tout en manipulant Aflacev. Lavez bien les mains avec du savon et de l'eau après utilisation et avant de manger, fumer ou boire. Stocker Aflacev dans un endroit sec. Ne pas le stocker dans des conditions de température au-dessus de 50 Celsius parce que Aflacev contient des organismes vivants qui doivent le rester. Ne pas exposer Aflacev à une humidité relative supérieure à 80% avant d'être utilisé. Les grains de Aflacev ne doivent pas sporuler avant leur application dans le champ. Pour l'élimination de Aflacev, suivre les directives indiquées sur l'emballage. Aflacev doit être conservé dans son emballage d'origine pour une utilisation ultérieure. Il faudra l'utiliser avant la date d'expiration du produit indiqué sur l'emballage. Les quantités de Aflacev restantes qui ne seront plus ou qui ne peuvent plus être utilisées doivent être renvoyées dans un point d'incinération des déchets et pesticides. Ne pas réutiliser ou recharger les emballages de Aflacev. Envoyer les emballages vides pour recyclage si cela est disponible ou les éliminer dans une décharge sanitaire ou pour incinération. Observez les bonnes pratiques agronomiques et suivre toutes les instructions, en particulier celle de la période d'application de Aflacev. Avec ces explications, vous savez maintenant que Aflacev est facile à utiliser.
essayez-le. Utilisez Aflasif pour votre maïs et votre arachide. Pour commander Aflasif, contactez Elephant Vert, Phoenix Group au 226 74 88 74 64. Pour plus d'informations sur Aflasif au Burkina Faso, visitez notre site web www.aflasif.com.